Cathy Breffa, je suis enchantée de vous accueillir à côté donc du nouveau Suzuki Aircross. Nous sommes donc sur le nouveau S-Cross qui est donc le système All Grip et on va faire donc des essais sur un magnifique domaine qui est le domaine de Galicée. Un domaine où vous allez avoir la possibilité de découvrir ce véhicule sur une partie vraiment tout terrain. Cathy, quelle est la particularité de la transmission de cette voiture? Alors, vous n'êtes pas sur un 4 roues motrices permanent. C'est donc un 4x4 qui a un système All Grip qui permet de pouvoir avoir une puissance de roue soit sur une propulsion, soit d'une traction, selon en fait le mode que vous allez utiliser. La gestion du grip se fait comment? En automatique, donc c'est-à-dire que vous avez une touche qui se trouve entre les deux sièges et vous allez mettre en boîte auto automatiquement. Dès qu'il va y avoir une perte d'adhérence, l'ABS et l'ESP vont aider la motricité du véhicule. Donc, c'est-à-dire qu'il bloque la roue qui patine pour favoriser le... D'accord, bah, écoutez, c'est parfait. On va vous suivre pour nous faire voir les capacités de cette voiture. Merci. Eh bien, génial. Watch me shine and fly, but then crack the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Merci à Suzuki pour ses essais sur le domaine donc de Galicée. On peut constater donc que notre Suzuki S-Cross All Grip est un véhicule qui est très fiable, très léger, à peine 1,2 tonne. Et donc sur toutes les difficultés qu'on a eues, on les a passées avec facilité, agilité et en plus plaisir et sensation. C'est moi, merci Cathy pour cette démonstration. Merci à vous. Et au plaisir de se revoir bientôt. Eh ben, merci à vous et à très bientôt. Merci.